Et c'est tout le monde, c'est Zouzou. Avez-vous trouvé tous les composants du vecteur laser? Si c'est le cas, je vous conseille de trouver rapidement un poste manufacture. Ensuite, regagnez le laboratoire de Langford et mettez la potion dans le brumisateur. Ça devrait dissiper ce brouillard en un clin d'œil. Et c'est tout le monde, Florian, commentez-vous. Moi, je viens se trouver aujourd'hui pour la suite de ce Let's Play sur Bioshock. Donc, dans un épisode, on avait fait l'acquisition du vecteur laser qui va nous permettre donc de virer toute la merde que Ryan a mis dans les jardins d'Arcadie, qui aurait tué les arbres et donc qui nous aurait tué par extension. Et donc, du coup, on est maintenant en possession du vecteur laser et on va retourner au laboratoire de la scientifique qui s'était fait tuer par Ryan pour finir ce qu'elle avait commencé et contrecarrer les plans de Ryan afin d'ouvrir le métro, afin de passer après dans le métro pour aller voir Ryan et lui péter les dents. Je pense que le programme est plutôt bien résumé. Nous avons sauvé l'unique petite sœur du niveau. J'ai combien d'adents? J'ai 16 adents, donc je ne peux rien faire. Donc... Ah! Mais il me balance! Mais... Meurs! Meurs maintenant! Ville démon! Il faut que j'augmente les dégâts dans le pistolet. Prochaine... Oh, il y a un protecteur. Ouah. Oh tiens, je l'avais pas vu lui. Oeil expert. Augmente les scores de recherche attribués sur la photo. Oh, mais je veux ça. Bon, bah l'armure corporelle... Attendez. Ah bah non, bah c'est bon. Bah, stocké dans la générique. Ouah. C'est quelqu'un de méchant. Vous croyez que je peux pas vous trouver? Ouah, 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 calmez-vous. Bah. Je dis bah. Oh merde. Et tu as... Bah. C'est bon, je l'ai battu. Merde. Tiens, merde. Merde. Paf. Paf. Dans l'eau. Mais t'es pas mort. Mais... Zbla dans l'eau. Voilà, c'est bon. Merde, j'ai pas vu à quelle heure on a commencé. Vite, mon portable, où es-tu? Où es-tu? Dis-moi l'heure. D'accord, il est 40. Donc à 18h on arrête. Donc je fais la vidéo assez tôt. Hein. C'est bientôt les vacances là pour moi. Alors je suis dans la dernière zone à être en vacances. Donc on est le 24 avril exactement. Merci mémoire et tout. Nous sommes donc le 24 avril. Et moi je suis en vacances demain soir. Enfin, demain midi en l'occurrence. Oh! Oh bah tiens, amélioration d'armes. On avait dit augmentation des dégâts du pistolet. Donc on a un petit module là maintenant sur le pistolet, c'est bon ça. Et voilà l'intérêt de fouiller dans le jeu, c'est que vous trouvez des petits postes comme ceci. Je vous couvrirai de plus rauque. De quoi? Oh! Oh! Oh la mort du héros! Oh la mort du héros! C'est bon tout ça. Donc là maintenant on a enfin un petit peu plus de dégâts avec ce petit joujou là qu'on appelle pistolet dans le jargon. Et on va essayer de trouver la sortie. Jusqu'à présent je ne l'ai pas vu. Alors au niveau terme de recherche, on n'a plus que les caméras. Normalement ils sont tous à moi ici. Ah non. En 1919 j'ai fui un pays qui avait traduit le despotisme pour la folie. Quoi? Où t'es? J'ai besoin de toi en photo. 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 Est-ce qu'on est bon pour eux, pour moi? Houdini. Bonus plasmide. Cliché en action, pénalité, sujet déjà photographié. Rien à foutre. En plus, je t'électrocute. Tu brûles et je t'électrocute. Si c'est pas magique, la vie. Hop. Alors passons sur le côté, hein. On va le laisser tout seul. Il a l'air très bien sur le sol comme ça. Et on va pas traîner, on va directement aller au laboratoire de l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Je confonds son nom avec un autre personnage. On ne parlera pas actuellement. Vous saurez. Ah mon dieu. Nous pouvons donc sortir du marché Champêtre. Et là on va faire un très bref crochet sur l'Arcadie. Et après j'aurai l'honneur de vous dire que nous sommes à la moitié du jeu. L'Arcadie étant la moitié des zones visitées. Après donc il y aura normalement il y aura la
forteresse folâtre. Et après, quelques autres lieux. Ryan. Oh, mais je suis en train de spoiler là, mais c'est pas bien. De toute façon, on va rencontrer Ryan, ça c'est obvious. Hein. Je veux dire, les jeux étaient pas si subtils à l'époque. J'aime bien le petit ajout, la petite armature pour avant. Inutile de lutter contre l'inévitable. Oh god. Bientôt, vous n'aurez plus d'oxygène. Et vous vous endormirez. Photo! Merde. Photo! Vite! Wait, 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 hop! Y'a pas un poste de sécurité? Poste de sécurité là-bas. Oh bah rush! Foutez-moi le camp! Foutez-moi le camp! Il est où le poste de sécurité? Oh, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Il est où? Oh, s'il te plaît. Eh bah, chier. Vite le poste de sécurité! Il est où? Il est où ce con? Il est encore en face. Il est deux salles en face. Clac. Ah mais le con. Voilà. Merde. Bon du coup qu'est-ce qu'on a? Oh c'est quoi ça? Faut pas regarder dedans. Non visiblement non. J'avais entendu un protecteur, j'aurais bien aimé le prendre en photo. Ils sont ici. Oh, les pellicules. On prend des pellicules, quelques chevrotines et on est bon. Trousse de soins. On va l'utiliser tout de suite d'ailleurs. Pack, 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 pack. Voilà. Merci. J'aimerais trouver le protecteur en question. Oh le con. Oh. C'est bon, il est au sol. Bonjour monsieur le protecteur, comment vous sentez-vous aujourd'hui? C'est d'ailleurs du shooting photo. Alors, je regarde juste. Ah. Le butin d'un rosier contiendra presque toujours des composants rares pour les inventions. C'est bon ça. Attends, c'est rosier ou c'est protecteur? Ah non, bon bah c'est... S'il te plaît, j'aimerais... Je passe juste, hein. Je t'inquiète pas, je ne te veux pas de mal. C'est par là. On va se dépêcher. Oh. Ah merde, il est pas mort. Prochaine amélioration hein, pour le pistolet, je pense que ce sera bah, pas la cadence de tir, mais le chargeur. La taille du chargeur. Donc notre objectif, c'est là-bas. On peut pas encore y accéder, donc on va continuer par là-bas. Parce qu'il y a des zones que j'ai pas encore visitées. Que voilà le métro. Et tiens, là-bas, il y a deux salles que j'ai pas visitées. Je vous propose de faire une ellipse autant que j'aille visiter ces salles. Parce qu'elles m'ont l'air intéressantes, voyez-vous. Et... Allez, ellipse. Et nous voilà, donc voici une des salles que je n'ai pas visitées. C'était une petite cavité juste ici. Et il y a un coffre. C'est bon ça. Un coffre. On va auto-pirater, on va pas se gêner. Fouillons-le. Ouais. C'est bon tout ça, c'est bon, c'est bon. Il n'y a rien là dans la charpente, non? Bon bah d'accord. Et la deuxième zone que j'avais pas visitée, tout droit, à gauche et à droite. Ok, parfait. Oh, t'es le même? T'es le même. Et donc ici, j'ai pas visité. Oh mon dieu! Merde, j'ai pas vu. Photo. Où est-ce qu'il va se TP? Où est-ce qu'il va se TP le con? T'es TP où? Vous êtes malade! Vous quoi? Êtes. Je suis malade. Toi, je t'ai fait un plein de fer. Oh, d'accord, je suis nul. Une mitrailleuse, c'est une manufacte. Je peux pas construire les. Est-ce que j'ai besoin de ces composants? Oh, j'ai besoin de ces composants. Je vais pas trop les utiliser du coup. Et. J'ai plus ce chevrotine explosif en masse. Je veux dire chevrotine explosif en masse. Ça c'est bon. Et je peux pas trouver le maison. Oh. Kit de soins, génothèque, un coffret.
Et je peux pas... pas le monsieur Woodney. Je suis le plus grand des docteurs. Alors est-ce que j'ai... Oh les projets. C'est bien ça, ça marche et tout. Ok. Bon. Enfer et d'un... Oh. Oh un petit piratage, merci gamin. Hop, un petit coup de dev. Et je vais refaire une ellipse le temps de revenir au laboratoire. A tout de suite. Et nous voici dans le couloir du laboratoire. Donc on va continuer. Hein. Hop. Alors, dépêchons-nous. Avant que nous ne mourions. Tout ce que vous voulez, qu'on va se faire attaquer par des chromosomes. Et là par contre, il y a une Rosie. Ah, une Rosie. Photo. C'est bon, on fait de la photo. Je prends 80 de pellicule, bon, je suis bon. Alors... Dépêchons-nous... Ah, il y a un chromosome. Même plus qu'un. Je suis... Vous êtes mal. Je suis quoi? Je suis quoi? Je suis quoi? Toi, t'es mort. Chromosome Houdini, fouillé. Et la madame? La madame, elle est là, elle est mourue. Et personne. Bon bah du coup mettons le vecteur Lazare. Clac. Ah, écoutez ce maudit engin carbouillé. Combien de temps va-t-il falloir? Oh merde, j'espère que c'est une sans de survie. Il semblerait que la mort de Julie n'ait pas été une leçon assez claire pour vous. Ceci suffira peut-être. Ryan vous a vu venir. Il va vous envoyer de la compagnie. Merde. Mieux vaut regagner l'entrée du laboratoire et la verrouiller. C'est peut-être le seul moyen d'empêcher les chromosomes d'entrer. Pas bon. Ça va être une scène de survie. J'espère que la Rosie va être là pour m'aider. God! Mais il me tire pas dessus, t'es ma tourelle! Pourquoi j'ai pété la caméra, moi? Piquons un peu tout ce qu'il y a là-dedans, y'a rien d'autre. Rien d'autre, bon bah cassons. Dépêchons-nous, oh god. Tiens, prends ça. Paf. Putain, la Rosie va m'énerver. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Le bouton. Vous avez verrouillé la porte? Parfait. Nous allons gagner un peu de temps. Ok. Parfait, m'envoyez des trucs dans le pneu. Je vous ai envoyé un petit colis par le pneumatique. C'est pas grand-chose, mais le moindre détail compte. Ok, dépêchons-nous. Réglez-lui son compte une bonne fois pour toutes. Paf. Paf. J'en ai plus beaucoup. Paf. 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 Et une dernière. Genre ici. Oh merde, non, vaut mieux pas ici. Paf. Oh merde. Non, je vais être obligé de me fight contre un protecteur, vous êtes sérieux? Non, va pas dedans. Va pas dedans. Et merde. Mon Dieu, ils arrivent. C'était pas prévu à la base, gamin. Allez. Photo d'Houdini, photo d'Houdini. Houdini. Merde. C'est bon, j'ai abattu le protecteur, c'est déjà ça. Vous êtes immonde. Ce qu'on brûle. Oh merde, j'ai... Merde. Je suis pas bien dans mes munitions. Oui, c'est ça. Oui, ma mère. Tac. De mes compétences. Pourquoi refuser? C'est bon. Je sais pas. Je demande à la scientifique. Oh wait. Brûle. Merde. Bah.
Recharge, recharge. Bah. Bah. Envole-toi. 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 Loin de cette fatalité qui te colle à la peau. Non, c'est bon, ça passe. Précipité Yonek. Oui. Juste à moitié. Ça va, ils sont un peu cons aussi. Oh, j'ai mal. Bon, on envoie le bout ou pas? Paf. Dégagez de mon territoire. C'est one shot. Si la fille elle est venue, elle fait oh. Non, ne venez pas. Vous êtes moche, vous puez. C'est parfait. Qu'est-ce que tu veux? Paf! 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 On vient là! Ah bah c'est bon. Toi t'es morte! Voilà, 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 voilà. Allez, allez. Mais il y en a beaucoup! Photo! Photo! Ah, ok. Qu'est-ce que c'est? Né dans ma ville? Quoi? M'a fait peur. Où t'es? Recherche achevée sur ce sujet. Ok, tu vas. Je vais jeter un froid sur notre petite conversation. J'ai raté. Mais j'ai raté. Bon, tu sais quoi, va te faire foutre. S'il veut parler, il viendra me voir. Non, non, pas les explosifs. Voilà, des chevrotines. Merci. Voilà. Bon, rechargeons un petit peu la lève. Rechargeons tout court. Voilà. Hop. Et on est bon. Et maintenant, on va pouvoir balancer le vecteur et sauver l'Arcadie. Clac! Parfait, moi je suis pour. Allons buter Ryan. Alors, du coup, comme prévu, on va pouvoir passer. Oh, je prends ce qui est sur toi. Comme prévu, on va pouvoir passer dans le. Merde. Ah, non. Dans la bathysphère. Maintenant qu'elle est déverrouillée. Et on va aller voir Ryan. Et on va lui faire manger ses dents par le rectum. J'aime cet endroit sans moi. Hop. Joli. Tiens. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, un sac à main. Pas de fouiller, attention, on peut fouiller. Alors. Comment se fait-il que vous résistiez aussi bien aux méthodes canoniques de séparation de l'âme et du corps? C'est la comédie ça. Je trouve. Vous appartenez à Atlas, le seul cafard qui semble résister à l'extermination. Ne vous inquiétez pas. Le temps que je trouve le bon poison, ce sera fait. God. On a eu un enregistrement. Je ne crois pas à un dieu, à une présence invisible dans le ciel. Il existe quelque chose de plus puissant que chacun de nous, l'union de tous nos efforts. Une grande chaîne industrielle qui nous unit. Mais ce n'est que lorsque nous luttons dans notre propre intérêt qu'elle tire la société dans la bonne direction. La chaîne est trop puissante et trop mystérieuse pour qu'un gouvernement puisse la contrôler. Tous ceux qui vous diront le contraire vous videront les poches ou poseront un pistolet sur votre tempe. Voilà, donc en fait là il dénonce les sociétés capitalistes, communistes, enfin tout ce qui existe, tout ce qui n'est pas ouvrier en fait. Pouvoir à l'ouvrier qui dit. Donc nous allons donc à la forteresse Folâtre. L'endroit que je préfère dans ce jeu, vous allez voir pourquoi.
Et c'est parti. Fontaine est un escroc et un voleur. Mais la dent... Mais il a la dent. Et ça se fait de lui le chef. Bill McDonald. Sauvegarde en cours. Ne pas éteindre l'ordinateur. Non, je n'avais pas l'intention d'éteindre. Par contre, j'avais l'intention de terminer cet épisode ici. Alors, il fait pas 20 minutes pile, mais au moins, ça vous fait des épisodes assez courts. Oh, trois petites sœurs en niveau, on va rigoler. Alors, je vous dis salut, à la prochaine pour un nouvel épisode de BioShock. Salut tout le monde!